overclocking, on est donc plutôt très froid, moins 190 degrés, moins 185 pour être précis, mais c'est en train de descendre. Et on est en train de faire un super pic, un méga. Alors, en fréquence, on est moins haut que tout à l'heure, puisqu'on n'est pas en train de faire du max screen, ce qui est logique. On est en train de faire du super pi 1 méga, tout simplement. Donc, on a pris une fréquence de 6435 MHz. Et on va lancer un super pi 1 méga. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Ça n'a pas marché. Problème de RAM. On va donc baisser un tout petit peu. Mettre un peu plus de décor, parce que je suis quand même à 1,73. Ah ouais? Ah ouais, on veut faire ça. Ah ouais, 6,4 à 1,73. 1,73. Oh, c'est bon ça. Donc on va rajouter un peu de décor. T'es toujours sur 2 corps ou 4? 2, je crois. On va relancer le 1 méga. On vient de faire 5 secondes et 672 centième, ce qui est plutôt honorable, puisqu'on est sous les 6 secondes. Vous aurez qu'à essayer avec votre processeur à la maison. Ça t'embête si je mets le bot? Vous verrez les scores qu'on obtient. Je vois que tu as le bot en favori. Tu viens de monter un peu là? C'est ouais. Ça un mec qui cloque pas, c'est étrange quand même. 6540. Donc on est à 6540 benchables. Benchables, on va voir. Et on va essayer de refaire un super pi, un méga. Oh là là, il faut juste retenter le quoi. De quoi? Donc bien sûr on est toujours sur Intel Ivy Bridge Core i7-3770 et sur Maximus 5 Geno. On a un peu trop mis. Hop, on lance le décor. What is the world record of super? 5156. Ouais. C'est dur. Il aura d'écouter. Alors. Ouais, on est mal quand même. Voilà. Hop. 5. 1,625. 1,8. C'est pas mal, hein. Voilà, c'était sur Cocotte TV, toujours overclocking. On vous dit à bientôt.